de 30, ce qui veut donc dire qu'elle est distancée par Aurélie Lacour. Aux barres asymétriques, Mélanie Nunes, vraiment dans un programme sans aucun temps mort, ça va à toute vitesse et nous n'allons pas nous en plaindre. Et oui, c'est ce que l'on a souhaité pour le spectacle, pour montrer un maximum d'exercice. Un transfert à la barre inférieure, passe ma fille au temps. On remonte sur cette barre supérieure. Passage sur le dos et double avant. Malheureusement emporté par son élan, trop de rotation pour Mélanie qui fait une roulade avant. Alors ça c'est très dommage. Et là, aussi suite à cette prestation, le titre aux barres asymétriques ne doit pas échapper à Estelle Courriveau avec le 8,95. Voyons, on revoit la chute au ralenti. Le transfert avec une belle amplitude, le passement filé. Voilà, et Nelou Pop, son entraîneur, qui vient lui donner quelques consignes techniques.